Salut les gars, c'est David Cruciani. Aujourd'hui, je suis avec le tonton Flekino. Alors, c'est lui le prof aujourd'hui. Hein. Il va me massacrer. Il va diriger toute ma séance. Bon, je ne sais pas ce que tu as prévu, mais en tout cas, j'ai hâte de voir. J'avoue, j'ai jamais autant coaché quelqu'un qui a des aussi grosses cuisses. Ah, ça fait plaisir ça. En tout cas, le but, c'est qu'il faut que j'arrive à marcher. Le but, c'est que je rentre, mais je ne sais pas comment je vais rentrer. Il faut plus que je marche. Ok, retenez bien ça, on verra. Alors. On verra, on va voir. Parce que le lendemain, ce sera moi. Hein. Voilà. Ok les gars, donc pour début de séance, on va d'abord bien s'échauffer. On prend 10-15 minutes pour bien échauffer articulation, haut de corps aussi, parce que moi je fais du low bar. Toi tu fais du high bar, je pense. Ouais. Ok, donc on va bien s'échauffer et ensuite on va commencer avec du squat. Ça va être le plat principal. On va voir jusqu'à où David peut monter. Ah oui, ça va aller. Bon, je suis un peu rouillé quand même, hein. j'ai pas ton âge, mais ça va aller. Regardez, il cherche déjà des excuses. C'est bon, j'ai des genoux hier comme ça, tu vois. Ah, ça, bien vu, je n'ai même pas pris. Hein. C'est pas mal, c'est pas bête. Voilà. Bon bah on va y aller. Du coup, je sais pas combien tu mets en série toi de base. C'est pour ça. Parce que là on va faire entre 5 et 8 reps à chaque fois. Ok, bah je vais mettre pas mal parce que d'habitude je ne commence jamais quand tu squat exprès pour pas que tu sois trop long. Ok. Du coup là on va inverser, donc on va voir combien je monte. Ok. Puis après je fais une première série de travail à Ming, ouais. Et je fais 4 séries entre 5 et 8 reps. Moi de base, tu vois, moi je ne peux pas me niquer trop les articulations. Ouais. Je me détruis d'abord en isolation. Okay. Je les détruis comme ça après je suis malgré. Parce que sinon, ouais, les articulations. Bah ouais, il faut que ça. C'est comme ça que les jeunes se tuent en fait. Au début, quand t'es jeune, bah moi je me suis détruit l'épaule à cause de ça. Je faisais de la force à l'époque. Bah là, l'épaule, j'ai déjà la tête de perroquet. Ok, ouais. Ouais, on va se faire piquer. Ouais, chaud. Fais-moi, c'est vivant. Par curiosité. Hein. Vas-y aussi. Chaud. T'as dit à vide, hein. Ouais, ouais, bon. Mais demande d'abord, moi je prends le temps de m'échauffer. Plus sur normal, hein. Ouais, fais comme. Les gars, sa barre, elle lévite sur les trapèzes carrément. On a l'impression qu'elle n'est même pas posée sur son dos. Elle lévite. T'es mal, gros, elle vole sa barre. C'est n'importe quoi. De baisser comme ça avec grande vitesse, c'est plus dur. Ok. Et ça me fait, moi, quand tu bosses, je te rappelle, j'ai l'impression que la barre elle volte. Moi, je le vois pas, moi. J'en allais pas. Au moins, t'as un bon coussin, t'as pas besoin de ah ouais. Tous 6 pattes. Ah ouais. Voilà. Et tu squats toujours avec les mains super écartées ou c'est juste la cheville ouais, comme ça ouais. J'allais dire, non. En plus, je suis normal. Parce que là, il n'y a pas de poids, donc bon, si tu veux, c'est juste trop serré là. Mais, je lève la barre automatiquement. Okay, ouais. Donc là, j'ai mis comme ça. C'est le problème, c'est quand t'es trop stock en fait. Moi, j'ai pas ce problème là. Moi, ma barre, tu verras, elle lévite pas comme ça. Là, ouais. Bah, mais c'est pas grave, hein. Chacun son niveau, mais c'est comme ça. Prochain, j'aime manger. J'ai le ventre un peu gonflé. Ah, je vais faire mon entraînement qui se réchauffe. C'est vrai, j'ai le bide gonflé là. L'autre il fout rien. Ça va aller. C'est bon, je suis chaud moi. Ouais. Allez go. Le mec il est trop chaud, tu sais. Je viens de commencer l'échauffement, lui il est déjà prêt. Je suis chaud. Bah, allez, je retourne sur la barre, j'aime bien la barre. Tu as deux séries d'avance. Ah là, j'ai les genoux qui sont bien. Là, ça craque pas. Oh yeah. Elle s'envole là-bas. Bon, ça. On est bien. Bueno. Je m'équipe et on démarre. T'as trop d'avance. Bien. Je vois comment tu mets. Vas-y, dis un peu tes perfs un peu en squat. Je ne fais jamais de perfs, donc je peux même pas savoir. Même moi, je sais pas comment je fais. Moi, je m'entraîne toujours. En fait, le poids, des fois, je ne regarde même pas. Ah ouais? Je tendrai pas perche, mais. Et t'en penses quoi du principe de surcharge progressive? Ouais, c'est bien. Non, c'est bien. Mais après, moi, je suis un peu dans la. Je m'entraîne si tu veux.
plus dans la conservation, quoi. Faut que je perdure dans le temps. Ouais, faut durer, ouais. Ouais, et toi, des blessures, ça peut vite arriver. Bon, je m'entraîne plus comme un fou furieux. Ok. Je travaille plutôt de manière plutôt intelligente, sans trop me faire le fou, quoi. Les paroles sages d'un vieux, en fait. Exactement, c'est ça. Je commence à avoir des cheveux blancs, frérot. Attends. 30 ans bientôt. Il a 23. Putain, j'ai 7 ans de plus, merde. Ok. Bon. Les chaussures. C'est bientôt fini. J'ai fini, moi, hein, c'est bon. J'avoue, David, il tourne en rond depuis avant, le pauvre. Oh, je suis excité, moi. Oh, je suis excité, j'ai pris un maxi booster, là. Ce serait peut-être temps de démarrer, quand même. Allez, parti. Contre moi, la puissance de Tonton Fleck. Ça va, le mec le moins pas sûr du fit game, en fait. On met 60 là. Ouais, on met 60. Je sais même pas quand tu vas. On se prend le bazar. Bon, allez, c'est parti. Donc là, les gars, on va monter progressivement en charge, histoire d'arriver ensuite sur 4 séries entre 5 et 8 répétitions. À une charge maximale. Donc là, je fais combien de reps là? Là, il chauffe encore, tranquille. Ok. Bon, bah, ok, ça marche. J'écoute mon sensei. il est vraiment fou. Bah, t'as pas tout vu encore? Good. À toi, Sensei. En fait, c'est lui qui met KO, je pense. Ouais, non, c'est vrai. Ça pique. Aïe. On va monter tout doucement. Moi, je ne dis rien dans cette vidéo. Je suis l'élève. Ça va? Ouais, t'as intérêt à te donner. Donc là, on passe à 100 kills. 100, vas-y, chaud. Ouais. Après, moi, je commence ma première série à 130. Enfin, juste encore une dernière série. Tu fais combien de séries après? En gros, je fais une série à 130 entre 8 et 10 reps. Ouais. Et après, je fais 4 séries. Peut-être okay. 140 entre 5 et 8. Ok, vas-y. Ah oui, mais ça va piquer quand même alors. Ah oui, déjà la montée. Ouais, ouais. Donc, vous êtes moins comment tu serais? Ou là, c'est les chauffes comme tu veux. Ah, okay. Je vais pas trop cramer alors. Ouais, te crame pas. Hein. C'est vrai que pour la cause. Moi, c'est bon pour moi, mais. Parce que si c'est trop haut, je vais mettre sur les. C'est ça. Sur les coussins. C'est les fameux coussins, je pense. C'est mieux.
Yes, papa. Moi, je suis champion, on met les, quand même les protects. Parce que moi, je suis plus à l'aise quand elles sont là au cas où. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je suis passé les chauffes encore, regarde. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça marche. On met les rambards de sécurité. Ça, c'est ma bouteille, hein. C'est qui fait un con là? Et tu commences à combien du coup? Je te suis moi. Tu commences plus que moi. Hein. Moi je vais déjà te suivre et puis après. On va faire encore une à 130 pour tâter un peu. Tu veux rester comme ça là? Non. Non, non, non. Ouais. Ouais. Moi je mets 130, tu irais. Ok. Et puis après on fait. On monte entre 5 et 8 là. Ok. Entre 5 et 8 là. Hein. Ouais. Il y a combien? Il y a 100, ouais. On met 130, ouais. Et après, on s'est la récup possible parce que sinon, je vais mourir. Hein. David, il fait que enchaîner, il a pas tant de pause. Moi, j'aime le squash, je prends entre 3 et 5 minutes. Ah oui! Parce que bah, il faut récupérer 90% de l'ATP, donc c'est au moins 3 minutes. On va prendre ça vite, hein. 8 minutes. C'est pas. Oh, je suis chaud, là. Donc là, première série de travail, David va viser entre 10 et 15 reps avec ce poids-là. Ok. Et puis après... T'as combien 10 et combien? Entre 10 et 15. Ah oui, ok. Ça va. J'ai compris, oui, ça va. Moi, je vais essayer d'en taper entre 8 et 10. Et puis après, on augmente pour avoir 5 et 8 reps. Ok. Parce que tu veux faire 150, je pense, c'est pas trop facile. Oui, je pense, mais il faut pas que je me crame trop, quoi. Oui. Si tu veux que je fasse des jolies barres, ça va le faire. Je suis sûr, il va squatter 200 au calme, je vais même pas comprendre. Allez, David, let's go. Passez. Allez, encore. Let's go. Let's go, coach. Et ça va le faire, ça va le faire. Allez, pas d'excuse, pas d'excuse. Let's go. Jamais. Jamais. Encore deux, au moins, encore deux. Encore une. Oh. Allez, tu m'en dois encore une. Let's go. Hop. Comment ça piquait, ça fait du bien. Vous avez vu, il transpire déjà. Ah ouais, moi je suis un gros. Sale temps pour les gros. Oh putain. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que David il est en high bar, donc il tape un peu plus les quadriceps. Mais en body, généralement, personne fait du low bar. Non. Non. Moi je suis plus sur du low bar, donc je tape un peu plus les ischios, les fessiers. Et généralement, on est un peu plus fort en low bar. Mais quand on est en body, on s'en fiche, on veut juste des grosses cuisses. Ah ouais, là c'est maxi grosses cuisses. Mais là, Kebabier va être content du coin là. Tu lui vends ça. Ça va lui faire du bien. Miam, 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 miam. Reste pas loin, reste pas loin. David, il a mangé les 150.
Moi, je vais essayer d'en faire 5. C'est peut-être un peu trop lourd pour moi, donc après, je repasserai à 140. Objectif, 5 8 reps. Bah, moi, après, je vais monter encore. Mais 5 reps. Après, ouais. Est-ce qu'on peut déjà comparer la taille des cuisses déjà donc, Heureusement, tu fais plus lourd comment? Les cuissinettes. Je suis le gardien. Allez, go! One. Deux. Trois. Quatre. Le seul. Allez, cinq, cinq, cinq. Pas. Bon. Dernière. Oh. Parfait. 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 Avec mes incroyables pouvoirs, je les fais léviter. C'est incroyable. En vrai, les gars, c'est dur. J'en ai fait 6. Ah, 6. Mais je sais pas si tout est hyper clean. En tout cas, nerveusement, ça tape un peu trop. Je pense que je vais baisser à 140. Moi, j'augmente. Chacun son parcours, c'est pas grave. Hein. Ah, oui. J'ai augmenté de 10. Enfin, de 10 de 5, c'est quoi? 180. Il y a combien? 165. Ah non, 170 alors. 170. Oh, ça va piquer un peu là. Là, c'est fini de jouer là. Là, c'est fini de jouer là, ouais. En plus, j'ai pas de genouillère, j'ai rien, donc ça tire. Hein. Alors, sérieusement, c'est vrai que t'as bien fait de t'équiper ça après parce que. Ouais, les gars, les articulations et tout. Au squat, montez progressivement. Moi, ça va faire 6 mois, je bosse un peu en force sur le squat et tout. Donc montez pas trop haut, en plus si l'amplitude elle est pas bonne, ça sert à rien. Ouais, ouais. Exactement, exactement. David a une très bonne amplitude, hein. Pourtant, vu ses cuisses. Je vois des jeunes pousser très lourds, hein, qui font des demi-squats ou des quarts de squats, ça sert strictement à rien. Écoutez l'ancien, vraiment. Non mais vraiment, parce que c'est bien de faire des concours de skeg à la salle, mais vraiment que le mouvement soit parfait, enfin parfait, entre guillemets. On n'est jamais parfait, mais bonne amplitude. Sinon je te mets 300 en squat. Ouais. Les gars, série à 170 pour David. Il rigole zéro, il rigole zéro. Allez, vite danser. Allez, c'est bon, Kia. Sale genou de mes couilles. Allez, c'est parti. Allez, David, allez. 5 reps. Allez David, tu les as passés. Allez David, go. Elle va m'arracher celle-là. Allez David. Au moins encore 2. Allez David, allez, David, allez, 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 allez. Tu l'as? En plus, elle n'a pas tenu. Non, vas-y, tu t'en vas. Ah putain, j'arrive pas à me mettre. Moi, je vais t'écraser pour l'instant. Vas-y, je sais pas si tu crois. Vas-y, vas-y. C'est un mec. Au moment où je descends. T'as tremblé beaucoup aussi. Hein. Ouais, au moment où je suis descendu, là j'arrive pas à me mettre. Là, c'est bon. T'aurais même pas dû être derrière. Ouais, mais j'ai pas dit que tu dis. Je peux facilement la tenir, mais en fait, il y a ça. J'étais bloqué sur la barre en fait. Ouais, mais en fait, c'est la sécu, la sécu, elle a pas tenu. Ouais, en fait. Je t'ai pas fait mal, toi. Non, mais j'ai juste la barre. J'ai failli me péter le pied. Ok, après cette petite incident technique. Ah ouais, frérot, j'ai les jambes là. C'est que là, elles sont. Tu sais, vu qu'il y a eu beaucoup de repos là. Ouais. Elles deviennent tétanisées là. Tétanisées carrément. Ouais. On va rebaisser sur des poids, atteindre 8 reps. Je pense que tu repartiras à 140, 150 tranquillement. Ouais, je vais redescendre à 120 d'abord. 120? Ouais, juste pour nous retirer dessus parce que. Ok. C'est trop long là d'un coup. Ça pique. Ça pique, mais t'inquiète pas, ça va revenir. Je vous avoue, les gars, j'ai assisté n'importe comment, mais David m'a dit tout juste un peu la barre au cas où. Ouais, non, mais là. Et d'un coup, j'ai senti que sur mes bras, j'avais 170. Je me suis dit, oh. Plus 110, parce que le gaillard, il fait 110. Et la sécu, elle a lâché, du coup, j'étais bloqué sous la barre. Ouais, c'est vrai, la sécu, elle a lâché, putain. Il était bloqué là. Vous avez la barre ici. Attends, je pense qu'on le voit. Oh, putain, ouais, ça t'a dit que vous avez la barre ici. Heureusement qu'on s'est pas blessé. Ouais.
putain, allez, lâche. Soyez prudent sur le squat. Ah ouais, surtout du lourd. Ouais, c'est parti. Bon les gars, c'est pour la vidéo, mais là je vais assez loin dans l'échec. Je vous avoue que vaut mieux garder quand même une bonne rep en réserve au squat, sinon on finit comme David. Ah ouais. D'accord, des fois ça surprend parce que moi je l'ai pas prévu celle-là. Ah, ok les gars, dernière série en lourd. Je repasse à 140 et j'en vise 8. Après je fais une petite série surprise à David, on va voir s'il tétanise ou pas. Vous allez voir, ça va être costaud. Il est pas au courant de ce qui va lui arriver. Hein, David? Ça va aller, je suis là, je suis présent. J'ai mal aux jambes. Mais t'inquiète pas, demain tu vomis. Demain je me mange. Demain il vomit. Bien joué. Franchement, propre. Oh, c'est dur. Hein. Ouais, propre. Oh, franchement, c'est bien. J'avais même pas eu besoin de venir. J'étais juste là par sécurité, mais j'ai. Ouais. Non, ok, les gars, je vais expliquer directement la série que David doit faire. En gros, on va faire du tempo. 3 secondes descente, 1 seconde max en montée. Pour que tu retiens à l'excentrique. Okay. Max de rep à 100. À combien? À 100. 100 kilos, 3 secondes descente, une petite pause en bas si t'as envie. Et là, vu qu'il congestionne déjà maintenant, je me demande comment ça va se passer. Ah, ouais, ça va piquer là. Ouais, là, je le sens déjà. Ouais. Souvent, j'aime bien parce que moi, vu que je squatte beaucoup lourd, j'ai pas de grosses sensations. Alors, je sais que la muscu, c'est pas la sensation, mais c'est bien en fin de série, tu vois, genre en fin de squat. Faire un petit peu de congestion quand même. Là, ça va tirer direct. Hein, là, il y a le sang dedans. Donc. Tous ceux qui font du squat savent que les séries longues, là, c'est la mort. Là, c'est chaud. 100 kilos, alors, tu m'as dit. 3 secondes de descente. 3 secondes de descente, 1 seconde de montée. Et 1 seconde de montée, ok, donc tu retiens la descente, tu remontes la côté. Tu fais même 2 secondes de montée, si t'es cramé, c'est pas grave. Le but, c'est juste de contrôler la descente. Histoire de déchirer à max les fibres. Les fibres, elles vont se cuisser comme ça, elles vont se croiser les unes avec les autres. Ouais, elles vont péter chez moi, c'est fini. Demain, il boite, c'est bon? Demain, je boite. Demain, il me faut une canne, un déambulateur. Allez, c'est parti, ma couillasse. Allez, t'as combien là? Allez, David, let's go. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3, envoie. Allez, 1, 2, 3, envoie. Facile, encore. 1, 2, 3, let's go. Encore. 3, envoie. Allez, encore 5. 1, 2, 3. Let's go. Encore. Allez, David. Encore une, facile. C'est parti. Encore une. Allez. Tu veux des grosses cuisses, quand t'en as déjà, mais... Allez, let's go. Oh, ça va être dur. Tu sais pourquoi ça a été dur? Parce que j'ai rigolé, j'ai craché toute l'air et là... Ah putain, la vache.
Pas mal. T'sais, t'as vu, parce qu'on a travaillé bien lourd et là on repasse, ça paraît simple, mais ça va vite tenir des cuisses. Ah bah là, frère, c'est bon, le short il va être craqué. Il va bientôt l'exploser. Oh, vache. C'est la taille de mon buste. En fait, il a deux flukinos à droite à gauche. Ce que je dis souvent, j'ai la taille d'un enfant de 15 ans dans sa vie. T'as le vaste externe à abuser. Hein. Son vaste externe, il est vénère. Hein. Plus disco et puis c'est bon. T'es propre. C'est dur. Les cuisses, c'est ça. C'est la pire séance là. Non, la meilleure, pour moi, j'adore. Mais pour les gens qui débutent, ils se détachent sur les jambes, pour dire la vérité. Ça, c'est celle qui te donne. Et si tu veux être complet, t'as pas le choix. Là. Bien sûr. Mais une fois qu'on commence à avoir des jambes, on adore ça après. Ouais. C'est juste le début qui est hyper, hyper dur. Parce que le squat, niveau technique, c'est difficile. Et puis, mais une fois que tu maîtrises une bonne technique, tu commences à progresser. Déjà. C'est addictif de ouf. Et puis, faire une séance jambes, c'est beaucoup d'efforts. Ouais. On n'est pas des touristes là. Hein. C'est pas du développé couché, en mode je me pose sur le banc et je dors. Attends. Balle perdue pour les pecs, tu sais. Bizarrement, tout le monde préfère les séances pecs. Ouais, c'est vrai. Ça tout le monde, c'est des tournées de flemmards, en fait. Ouais, c'est vrai. Je rigole. Où les bras, où les bras? Je vais me faire tacler. Après la suringe et ça. C'est un truc nul. Il est dans le fusil. Bon, allez, c'est à mon tour. Hein. Vas-y. Là. Jésus, allez, score. Et c'est parti. Go. OK. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Oh, ça pique. Dix. Oh. Allez, continuez. Onze. Oh. Allez. Douze. Oh. Et ça crame là. 13. Oh. 14. Chut. Encore une. Au moins. Oh. Bien joué. C'est plus dur que les séries à 140. C'est vrai, oui. Mais surtout après avoir fait tout ça. Après avoir fait tout ça, ouais, c'est dur. Les gars, on prend la récup pour le squat et on attaque les ischios avec le sous-étage entendu. David, il a dit qu'il manquait un peu d'ischio. Exactement. Donc, je voulais coacher la squat. Je prends trop la confiance alors qu'il a ses cuisses. C'est mon buste entier, en fait. Mon petit... Hey, t'as pas vu celle-là, hein? Bah, merci. Ah, ça tire pas haut, par haut. Je te laisse essayer. Est-ce que David est fort? Quoi? Il m'arrache le pied, en fait. Regarde ça, frère. Putain, elle est mouillée, frère. C'est une éponge. C'est lui qui dit ça. Allez. C'est validé. Tu dois sentir respirer. Ouais, là, je suis bien. Là, je suis bien. Ta frère, il est trempé pire que moi. OK, donc là, on va partir sur 4 séries entre 8 et 10 répétitions sous étage entendu. On va contrôler la descente au moins 2 secondes. Et puis, David, il entame le bal. C'est parti. Quand tu veux. Bon. Allez David, tu m'as dit que tu veux de plus gros ischio. Ah ouais, ça c'est sûr. Wouh. Tiens. Allez, let's go. Oh la vache. Allez David. Super. Let's go. Encore 3. Encore 2, allez David, allez. Encore une. Une dernière. Oh, tu l'avais. Dans ma tête, j'ai arrêté. Ouais, c'est pas grave. Ouh. Tu l'avais. Je l'avais. Je l'ai pris, quoi. Moi, je vais juste prendre mes sangles parce que sinon, je vais galérer. Vas-y.
Allez, allez. Oh. 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 Allez. Ça, ça fait mal. Oh. 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 Vas-y. Ah, ah, ah. Oh. Tu fais combien là? 12? Je sais pas compter. Je suis plus 11, je sais pas. Ouh. Ça nique, hein. Oh, ça tire. Le pire, c'est demain. Ah, bah oui. Le pire, c'est demain, effectivement. Ok. Dernière petite série d'isco, baby isco. Petite série. Je vais m'en faire 10, bien propre. 10 bien propre. Ouais. Quel cochon, c'est demain. Allez, okay, David. C'est parti. 10. 10 bien propre. Ouh. Ah. Chut. Allez, David. Ah. Une. Let's go. Allez, David. Allez, allez, allez. Encore, 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 encore. Encore deux. Une dernière. Voilà. Là, je pense que t'es bien, là. Ah, je suis bien. Ah, les petites cuisses de danseuse. Là, je suis bien. Là. Ah. Il me manque juste un petit tutu là et c'est bon. Danse classique. Donc là, moi, il me reste une série et tout ce qui est polyarticulaire sera fini. On finira sur de l'isolation. Donc ouais, leg extension, leg curl. Ok. Ok, Sensei, je t'écoute. Allez. 1, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, dernière. Allez. Ok. Ouh. Achève. Le sensei. Il faut se faire mal au cul. Bah oui. Bah lui, il fait sa flex pose, moi je fais des poussées. Allez, go. Ok, donc la première série, on va faire 20 reps. Par contre, je veux que tu prennes une charge qui te fasse vraiment galérer à 20 reps. C'est pas genre 20 reps ouais, okay. Tu prends de l'air. Tu prends une charge. La dernière, il faut que j'alère quoi. Voilà, vraiment. Alors, 20 reps, alors je connais, je sais pas trop à 20 reps, mais je vais tester. Je pense que tu peux être un petit 80 toi, non? Ouais, je vais essayer 80. Allez, 20 allez, reps, 20 reps, allez. 20 reps, let's go. Attends. Allez, David, 1, 3, allez, squeeze. 6, allez, David, 7, 8, 9, 10, t'es à la moitié, let's go. Allez, 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 11. 12, let's go David, let's go. Hop. Allez. Hop. Encore 3, contrôle la descente, contrôle. Contrôle. Hop. Encore une, encore une. Oh. Encore une. Et une. Voilà à quoi ressemblait une vraie série au leg extension. Oh, ça pique là. Hein. Et c'est que la première. Ouais, c'est que la première. Mais c'est lourd, hein. C'est plus lourd qu'un basic fit. De 80. C'est plus lourd. Alors moi je veux pas 80, hein. Faut le mentir. Ah, c'est plus lourd qu'un basic. Allez. Ah ouais. David, il est tellement grand que les réglages. Enfin, il est tellement gros que ses réglages, c'est n'importe quoi. Ah ouais, les réglages, c'est bizarre. Ah voilà. Non, attends. Il a cassé la machine en fait. Ah voilà. C'est bon. Allez. Ouais. Je m'accroche. Bon, c'est bon. Ok. 2. 3. 4. 5, 6, 7, allez, vois bien là. Allez, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, à la dernière. Bon. D'accord. Alors, ça finit par Ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est dur. Ouais, c'est bon. Là, on va passer sur des dégressives. Dégressives là ? Ouais. Ouais, je me sens dans le, mal. C'est ça qui est bon, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on veut pour les jambes. Donc du coup, en dégressif, tu veux faire comment ? Là, on va faire 15-15. 15 reps, 15 reps. Et la toute dernière, on l'a fait en double dégraisse. Ok. Avec du tempo, enfin du bonus. Okay, dernière série, que du bonus. Ouais, c'est spécial bonus. Spécial bonus. La fameuse série de fleck bonus. Fleck bonus. Donc là, on va se laisser 1 minute 30 de récup. Ouais. Histoire de quand même régénérer un peu d'ATP et puis après. Donc du coup, tu m'as dit 15 reps ? 15-15. 15-15. Ah, donc là, faut que je mette moins. Ouais. Enfin, là, pour la première, tu peux garder pareil. Ouais. Et la deuxième, allez, David, allez. Allez, let's go, let's go. 3, 4, allez, allez. 5. Ça, c'est pas assez externe. Interne, pardon. Allez, go. Allez, allez. Encore. Encore. Allez, David. Let's go, David, let's go, let's go, let's go. Encore deux. Allez, allez, encore une. Encore une. Minute. Allez, let's go. Il baisse d'environ 30 à 40% la charge et il repart. Là, là, j'ai essayé. 15 mètres. Allez, une, deux, allez, 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 trois, encore, 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 allez, t'en as encore cinq, cinq au moins, quatre, allez, trois, encore deux, encore une, et t'en as encore cinq maintenant, encore cinq, encore cinq, trois, allez, quinze, allez, allez, let's go, David, let's go, let's go, ah, j'arrive plus, allez, 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 oh, ah, putain, oh, putain. Oh. Oh. Ah, ça tire sa mère. Ah, ça se voit que je suis pas bien là. Oh putain. Oh. Pour l'instant, un petit ressenti sur la séance. Ça pique. Ça pique. C'est ça qu'on veut. Ouais. Pas mal, pas mal. Je fais pas le malin parce que j'ai mes séries à faire. Donc. T'as mis combien ? J'avais mis 70. Vas-y, mets 75 juste pour l'ego. Non, vas-y. Ah, je rigole. Je vais jamais assumer. Attends, je vais essayer. Vas-y, vas-y, vas-y. Comme ça, je pourrais dire, je mets plus lourd que David. Ah, mais tu peux, hein. Ah, je rigole, hein. Moi, je m'entraîne pas. Le poids n'est qu'un moyen. Voilà, moi, je m'entraîne pas en force. Allez, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 10. Ah, ça pique là, hein. Ah, allez, 12. Ah, allez, allez, allez. Ah, allez, encore une. Ah, dernière. Allez, tu peux descendre. Oh, il y a un tremblement de terre, etc. Allez, tu es descendu à combien là ? 40, c'est bien. Allez, 2, 3, 4, 4, 5. Oh, putain. Ah, ça pique là, 6. Allez, on entend au moins, je crois qu'il y en a 7. 8. 9. 10. 11. Allez. 12. 13. 14. 15. Bon. Oh. Ah, ça nique, hein. Oh, je suis dans le cosmos. Vas-y, bien. Et là, après, tout luisant. On est des vers luisants. Ah, on transpire les gars, c'est dur. Un jour, j'arrive, un jour. Oui, oui, il y a un jour, mais bien sûr, déjà. Moi, je suis bodybuilder, donc il y a des substances, quelques petites substances magiques. Lui, il est natif, regardez le physique qu'il a. Tu vois ? Hey, laisse tomber. Ça, ça fait plaisir, j'avoue. C'est la vérité. Intérieurement, je suis content, j'avoue. C'est la vérité. Faut dire les choses. Après, les gars, moi, ça fait 5 ans que je m'entraîne en salle. En tout, ça va faire 6 ans. 5-6 fois par semaine sans vraiment skip. Ouais, et tu bosses, et tu bosses. Tu bosses. On en voit, quoi. Ouais, voilà, voilà. Après, il y a différentes façons de s'entraîner.
Il y a tellement de méthodes, mais tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Hein. On a la même passion, même discipline, exactement, c'est pas exactement la même pratique, c'est tout. Ça, c'est qu'une partie du mode de vie. Hein. En vrai, c'est la diète, hein, le plus dur. Hein. Non, ça, c'est peanuts à côté, en vrai. Même si on suit. La diète, tenir la diète, c'est plus dur. Bon, du coup, on recommence. Dernière série. 15-15. Là, c'est 15-15 encore ou... On va skip une série, on fait que 3, c'est pas grave. Vas-y. On va voir ce qu'il pense. Ça, on le dit pas, on cache. Je vais mettre là. Ouais, je descends de 5-5. Je vais voir. Allez David, dernière série. Oui, 10-10. Allez, c'est parti. 10-10. Allez, c'est parti. Let's go. 3, 4. Allez, champion, facile. 6. Allez, va aller chercher. 7. 9. Et 10. Et t'enchaînes. Let's go. Allez, David. 3. 4. Allez, va aller chercher. Allez. 6, super. 7. Allez, champion. 8. Encore 2. 9. Oh. Et t'y vas. Et t'enchaînes. Direct. Allez. Allez, là, on va un peu jouer. Allez, 5 premières normales. 3. 4. Allez, 3 avec 3 secondes en défense. 1. 1, 2, 3. Et tu repars. 1, 2, 3. Et tu repars. Allez. 1. Max, tu peux. Allez, David, allez. Cède un peu. Encore une. Attends. Une dernière. Et tu maintiens 5 secondes. Ouais, ça dure. Allez, 10. Allez. 10. Allez. Encore une là. Non. Allez. Oh putain. Ouais, mais elle m'a fait un peu mal ici, moi, la machine. Ah ouais. Un peu, tu t'es peut-être sûrement un peu trop haut. Quand tu veux des bonnes cuisses, tu peux reproduire le programme chez toi. 6. Allez, 7. Allez, 8. Ah, ça commence à piquer là, je le vois. Ah, encore une ennemie. Allez. Ah, allez, tu peux diminuer encore un peu si tu veux. Voilà. C'est bon, c'est bien. Bon, on est là, tu peux au max. Là, ça nique. Ça fait mal. Allez, fais la moitié, 6. 7. Allez, t'es prêt. Allez, t'es prêt. Allez, 9. Dernière. Allez. Oh, demain, on marche plus. Hein. Demain, on est en fauteuil roulant, la salle. Et voilà. Baby cuisse. Et les gars, il nous reste 3 séries aux ischios. On fait du leg curl. On le fait assis, je pense. Ouais, on va le faire assis. Okay. Histoire d'isoler maintenant les ischios. Et là, c'est une série en jambes complètes que moi, je fais depuis quasiment 3 ans. Et je pars de rien et je pense que maintenant ça va. Ouais. Si David a validé, c'est qu'elle est efficace. Ouais, elle est bien. David, lui, il split, il fait ischio, une séance, ouais, et quadri. En vrai, c'est selon vos préférences. Ouais, c'est pour vraiment mieux développer les cuisses, c'est mieux. C'est mieux de les séparer. Bon, après, bien sûr, chacun sa technique. Bon, à la preuve, il est fait ischio et quadriceps en même temps. Et moi, je préfère avoir une stimulation deux fois par. Ah, mais tu les fais, par contre, tu les fais quand même deux fois. Ah oui, les jambes, je les fais deux fois. Tu les fais deux fois. Et deux fois même ça. Ok. Ouais, c'est une méthode aussi. Hein. Voilà, top. On prend un peu de récup et on part sur le leg-curl. Donc maintenant la question c'est, est-ce que David va rentrer de ses cuisses là-dedans? Ouais, c'est ce que je suis en train de me poser comme petit souligne. Hop, je vais descendre. Ah mais non, c'est le tibia, je suis bête. Ouais, c'est bon. Ouais, ça va. Donc là on va faire 3 fois 15 reps, 12-15 reps. Et je vous rappelle qu'en isolation, même si c'est des exo-guidés, on donne à fond. Donc 15 reps, on galère. Si tu peux en faire plus, t'en fais plus. Allez David, let's go. Je suis déjà à 7. Allez, let's go. Allez David. Pour le prochain top de Colmar, tu vas être prêt aux ischios. Allez, oui. Tu vas avoir des babies. Des bébés dans mes ischios. Allez David. Encore deux. Oh. Encore une. Une tenue d'air. Je descends, c'est ça? Comme avant? Ouais, vas-y, on dégrasse cash. Allez, il veut du bonus. Allez. Allez, encore 15. 2. 3.
4. Allez, David. 5. 6. Allez, squeeze, squeeze. 8. 9. T'en as encore 5. Encore 5. Ça fait mal, hein. Allez, allez, allez. Encore 2. Et encore une tout dernière, tout dernière. Ah, c'est bon. Oh, ça va. Faut que je me lève, sinon j'y crampe. Oh, oh ma couillasse. Oh putain. Ah, ça fait mal. Je sens qu'il va se venger demain, mais... Bah, tiens, ça va être dur de se venger après une séance jambes, mais... Compte sur moi. Compte sur moi. Ça va chier. Ok. Allez, hey, t'as mis combien, au premier? Waouh, mais tu mets lourd. Ouais, tu mets... En fait, en dégressive, il met mon poids de travail, il n'y a aucun respect. Allez, let's go. Ça fait mal, hein. 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait mal, c'est normal. Ouais, il y a un bon niveau quand même, hein. Allez. Ça marche pas. Ça nique là. Allez. À tout moment, mes ischios, ils se déchirent. Ouais, mais tu sens que ça crampe comme ça. C'est ok. Allez, vas-y. Allez, t'as la moitié, fils. Allez, je suis là au cas où. Allez, il mord le babouin. Il m'a dit fils, du coup. Allez. Ah, oh putain. Bon, moi je propose un tour. Directement au cousin, peut-être, hein. Parce que là, ouais, ça va tirer. On va faire du posing. Je suis pas sûr que c'est la meilleure idée, le posing. Non, j'avoue aussi, parce que ça va tirer dessus. Mais je vais envoyer dans une petite salle de cours. Je suis sûr que tu m'apprends de petits trucs de... Vas-y. Alors, on va faire un petit TikTok. Vas-y, ouais. Bon, écoutez les gars, je vais pas vous mentir. Tonton Fleck, il m'a détruit. Il m'a fait mal. Là. Enfin, j'ai mal partout. Ouais. Mais regardez bien. Regardez bien, section. Nati vs Body. Donc on a compris. Pas faire de schéma. Franchement, respect. Avec des bonnes cuisses. Franchement, la séance a été hyper dure. Vous pouvez la reproduire chez vous. Bon, on n'a pas été. On a pu encore en faire un peu plus. Toujours plus. On peut toujours faire plus. C'est vrai qu'en filmant et tout, ça prend un peu du temps. Donc, le temps qu'on discute et le temps qu'on s'entraîne, le muscle qui récupère, du coup, ça nous fait pas mal de crampes. Je pense que demain, on va galérer. Non, mais demain, c'est à mon tour de faire venir. Demain, c'est à mon tour. Demain, bah, on va pas rigoler. Sinon, on reste avec les esthétiques. Sinon, toi? Bah, moi, je suis quand même aussi. Hein. C'est un plaisir parce que moi, la séance jambes, c'est là où je mets le plus d'intensité. Ah bah oui, donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir m'entraîner avec une machine de guerre. Hein. Petit compliment. Non, mais vraiment, il envoie sévère. Hein. Franchement. Et encore, moi, je d'habitude, comme je t'ai dit, je m'entraîne pas forcément lourd. C'est plus en intensification. Et ça fait du bien de changer un peu de training. Hein. Ça choque un peu du, ça fait du bien.